Eh bien le bonjour, cher ami lecteur. Aujourd'hui, ça sera une petite vidéo de présentation sur cette petite ceinture de Fritou. Alors, elle est vraiment bien. Moi, je la trouve vraiment sympa, discrète, plate. Alors, c'est sûr que le jaune, c'est pas discret, mais au moins, vous êtes visible dans le noir. Ça donne un petit peu plus de sécurité. Alors, c'est bien pour le sport, c'est bien pour aller se balader. On peut y ranger dans des petites poches, des clés. Alors, les clés, moi, je vous conseille de les mettre dans une petite housse. Sinon, elles risquent de déchirer le tissu. C'est arrivé très souvent et ça, je peux vous le garantir. Alors, vous pouvez y mettre des petits accessoires, c'est sympa. Vous pouvez y mettre votre portable. Alors, faites attention à ce que votre portable, votre mobile, n'ait pas une largeur qui excède 8 cm. Sinon, vous n'arriverez pas à le mettre dedans. Vous avez un petit trou iris étanche pour pouvoir y faire passer un câble, un casque, une petite pochette, pareil, de rangement. Vous pouvez y mettre votre carte bleue, en espérant que je trouve pas votre sacoche. Vous pouvez y mettre des sous, vous pouvez y mettre des petites choses, et c'est vraiment sympa. Alors, c'est très bien fait et c'est très bien fini. Vous avez une sangle réglable. Alors, la sangle réglable, ben, c'est très bien. Sauf que, eh bien, il n'y a rien d'élastique. Alors, je suis désolé, monsieur Fritou, je vais vous retirer une étoile, bien parce que il est difficile de pouvoir ajuster la ceinture correctement. Soit elle est trop serrée quand vous clipsez, soit elle tombe. Alors là, ça bouge. Donc même si vous l'avez bien ajustée, eh bien ça va bouger quand même. Ça va tomber. C'est pas super génial. Alors voilà, je vais être objectif. Je suis quelqu'un d'objectif et honnête là-dessus. Elle est vraiment sympa, cette ceinture. Pour son prix, moi, je vous la conseille. Mais je vais lui retirer une étoile parce qu'il n'y a strictement aucune partie d'élastique et on ne peut pas l'ajuster vraiment comme il faut. Voilà. En espérant que ma petite vidéo de présentation vous a été utile avant l'achat, au moins vous avez mon avis oral. Je préfère faire des vidéos que des photos. Bien parce que les photos, ça ne parle pas beaucoup. Vous voyez, aucune photo vous montrera, vous expliquera qu'il n'y a pas d'élasticité sur cette ceinture. Donc, si cette vidéo vous a été utile, eh bien, faites-le moi savoir, ça serait vraiment super gentil de mettre un petit oui, car je me donne beaucoup de mal à faire des vidéos, et ça, c'est pour le bien de tout le monde avant l'achat. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, surtout un très bon week-end bien mérité après une semaine de travail. Et peut-être à bientôt sur une autre vidéo, qui sait, le monde est petit. Au revoir à tous.